inclut à tout le monde. Alors, on combine plutôt la traduction français-arabe et vice-versa, les comparatifs. Les propositions comparatives commencent par comme, même que, ainsi que, autre que, etc. Le verbe est à l'indicatif, mais très souvent, il est sous-entendu à la proposition et l'hypothèque du verbe. Exemple. Je m'y mis à agiter les mains comme faux les poussins. Elle avançait sur la route comme un grand garçon. Les plus grandes âmes sont capables de plus grandes vices aussi bien que de plus grandes vertus. Elles souffriront comme vous. Les propositions comparatives conditionnelles commencent par comme si et le verbe est à l'impératif et l'indicatif au le plus que parfait. Et l'on signe les hommes comme s'il était savant. Note. À distinguer, elle signe les hommes comme un savant savamment. En traduisant en arabe, il faudra rétablir la phrase en supprimant l'hélice. التشبيه يعبر عن التشبيه بواسطة الكاف كما أن مثلما أو باستعمال المصدر مفعول مطلق جعلت أرفرف بيدي كما تفعل الفراخ كان يمشي على الطريق مشية شاب إن أكبر النفوس مستعدة لأكبر الرذائل كما هي مستعدة لأعظم الفضائل يألمون كما تألمون إذا دلت الجملة على التشبيه والشرط معا استعملنا كأن حرف من الأحرف المشبهة بالفعل مع الجملة اسمية يعلم الناس كأنه عالم يعلم الناس كأنه عالم ملاحظة لنميز بين الجملة الأخيرة والجملة الآتية يعلم الناس تعليم عالم دون شرط. Merci.